Frédéric Lopez, 56 ans, a dévoilé cette semaine dans un entretien avec Nice Matin être atteint d'une maladie dégénérative, l'autospongiose. Une pathologie qui a déjà fait perdre à l'animateur phare de France 2 la moitié de son audition. Il révèle ainsi au quotidien s'être fait opérer en 2019 sans effet. Aujourd'hui, l'animateur d'un dimanche à la campagne et de rendez-vous en terre inconnue affirme ne plus entendre de l'oreille droite. L'autospongiose est une maladie dégénérative s'attaquant aux tissus osseux de l'oreille interne. Celle-ci peut entraîner une surdité totale. Bruit d'aspirateur en permanence. Déjà privé de ses capacités d'audition à l'oreille droite, Frédéric Lopez a fait le choix de porter une prothèse auditive à l'oreille gauche. Car cette dernière est aussi atteinte par la pathologie. J'ai 50% de mes facultés et des acouphènes, comparables à un bruit d'aspirateur en permanence, raconte l'animateur. Une autospongiose qui perturbe sa vie professionnelle, c'est compliqué quand son métier, c'est d'écouter. Mais c'est comme ça, je l'accepte. Confesse-t-il. En réunion, j'en vois certains gênés. Alors que beaucoup portent des lunettes sans que ça soit un problème, ajoute l'animateur. Des difficultés auxquelles il est aussi confronté dans sa vie privée et personnelle, lors d'un dîner, ça isole. Je suis un peu en retrait. Mais ça me va de voir les autres s'amuser. Désormais Frédéric Lopez souhaite aller de l'avant et envisage d'apprendre la langue des signes pour prévenir une surdité totale. En attendant, le présentateur continue d'animer les émissions phares de France 2 comme l'émission Notre vraie nature lancée en début d'année 2024 ou encore un dimanche à la campagne.